curiosity, interest, and obsession. Mile markers on my road to damnation. Ah, la damnation. Bienvenue, on est de retour pour plus de Darkest Dungeon. J'ai un nouveau skin. Merde, je sais plus ce que c'était. J'ai déjà oublié. J'ai mis un nouveau skin pour... Ah. Je crois que c'est les Furies. Oui, c'est les Furies, c'est ça. C'est sympa. C'est joli. C'est joli. Mais bon. Après, vu que je suis pas très fan des Furies, c'est pas vraiment le truc... Honnêtement, je voudrais bien un bon skin pour l'antiquaire, pour en faire un peu des... En gros, c'est pour les rendre uniques, hein, les personnages, hein, surtout pour ça. On a beaucoup de croisés. Les pros aussi, le dark aussi. Ouais, il y a des trucs, il y a des classes encore qu'on n'a pas vraiment. Ah, le chien, on l'a le chien. On a un skin de chien? Non, on n'a pas. On n'a pas de skin pour le toutou. Et elle non plus. Celui-là, ça m'embête parce que ça remplace les skins par défaut. Ça, c'est un peu bête. Bon. Après, je préfère celle-là que l'original, mais bon, j'aurais bien voulu avoir les deux. Elle aussi, on en a plus. Bon, bref. La dernière fois, on avait fait quoi? C'est la dernière fois qu'on avait fait des boss, je crois. On avait fait plein de boss. Là, maintenant, on veut monter de niveau, je crois. Non, j'avais dit qu'on faisait un... Oui, on faisait ça. Genre, c'est court. Et on gagne une cape, qui est vraiment bien. Et on veut, donc, du coup... Donc, on a Dark pour le niveau 5, qu'on mettra, du coup, niveau 6. Et on veut... faire un peu d'argent. Très bien, on fait un peu d'argent. Pourquoi pas. Il nous faut du soin. Intouchable, ténacité. Plam, 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 plam. Emerald qui est en train de boire. Se bourrer la gueule comme d'hab. Ok. Dark, on va le. On prend avec nous. On prend Vanguard, comme ça on peut mettre. On va où déjà? On va à la crique. La crique, c'est des poissons. La crique, c'est les poissons. Je dirais pas non pour les poissons. Les poissons, c'est quoi? C'est des horreurs? Ouais, bah du coup, ce serait l'occultiste. Ouais, bof. Ah, je crois qu'il y a des humains poissons. Non? Non, ça existe pas. Non, c'est des humains bêtes, je crois. Non, non, là, c'est juste des horreurs, en fait. Ah, putain, je sais pas qui prendre. Je prends lui parce que ça rend la chose plus simple en fait. Puis on le fait on le fait stun et riposter là comme d'hab. Ouais, c'est pas mal. Ou alors on prend Giant Dad. C'est pas mal aussi. Mais bon, je crois que comme ça, c'est plus certain, c'est plus sûr. On risque de se faire moins toucher et tout ça. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Le soir, on n'en a pas besoin. Ça... Il faudrait qu'on augmente quelques trucs, mais j'ai pas envie de balancer de l'argent pour rien pour le moment. Alors, maintenant, on équipe... Ah oui, il faut qu'on teste aussi Vanguard avec ça. C'est un peu abusé, ce qu'il a. Est-ce qu'on peut lui enlever la maladie au pire? Si vraiment c'est une catastrophe, on peut pas. Hein. Mais bon, faut le tester, faut voir. Alors, Monsieur Stun.
Monsieur Stone. Avec. Je sais plus ce qu'on lui mettait. Ça. Comme ça, il est pas stun. Hop. Précision et protection. C'est pas vraiment ce que je voudrais. Là, on a 10, 10. Moins 10 de ville. Ah, c'est vrai qu'il a précision moins 10 de ville. Ah, mais le relou, quoi. Je vais mettre ça. C'est vrai. Très bien. T'as 60 HP. Vache. Alors, il nous faut de l'esquive. Très bien. Ben voilà, tout le monde joue en esquive. Très bien. Pour les skills. On a les stuns à n'importe quel grade. Après on peut taper, on marque, on tape. Ça fait des dégâts. Tout le monde meurt, puis voilà quoi. Qu'est-ce que... C'est mon explication. Arrête de faire ça! Le mec quoi. Arrête de faire ça. Yes. Boum! Faut faire de l'argent. Ça risque d'être un peu long de tuer les choses, je crois. Enfin, on verra quoi. Mais bon, ça devrait pas être très compliqué. The smell of rotting fish is almost unbearable. On va faire 90% de pièces. Yeah! To perform beyond one's limits. Fou la vache. Et on est zéro esquive. Pas mal, pas mal, pas mal. Zéro esquive. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Donc lui, lui il a 55 d'esquive. L'autre il a 45. Ils ont rien. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Press this advantage. Give them no quarter. Très bien. Ah bah oui, 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 il a pas beaucoup de... Il a vraiment pas beaucoup de précision. Masterfully executed. The flesh is knit. Ah ouais, non, mais il loupe trop, en fait. Eradicated. Ah, il loupe un peu trop, quand même. Struck.
Après, pour le niveau survie, il est bon, hein, mais... Mais le fait de louper souvent, ça va être un problème, je pense. Par contre, les combats sont longs, il n'y a pas d'autres, rien. Dark, il veut pas esquiver, hein. Lui, bah lui, il s'en fout. Lui, c'est pris pour un tank. Continue the onslaught. Destroy them. On va y arriver, hein. Ça prend un peu de temps, c'est tout. Aïe, 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 aïe. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ça prend juste un peu de temps. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Okay. J'espère qu'il va pas être, il va pas le protéger. Merde, il peut taper de là? Je sais plus. A singular strike. Et merde. Là, on aurait pu le stun. Ouais, non, c'est trop de... C'est trop de précision en moins, là. C'est pas bon. Car louper des stuns, c'est très grave, quand même. Même des ripostes, ça fait des critiques, hein, les ripostes. Donc ouais, il faut lui enlever le moins 15, là. Confidence surges as the enemy crumbles. Très bien. Joli. Precision and power.
Ah mon dieu, c'est les combats qui en finissent pas par contre, hein, putain. J'aurais pas dû taper. On peut accélérer le temps. Aïe aïe aïe. Inspiration and improvement. Pam 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 pam. On va faire 10 tours à chaque fois, je crois. Pas réussi. Ah oui, non, malus de déplacement, d'accord. Je pensais que le déplacement il était basé sur le monstre de base, mais en fait non. Pour la musique. Can't touch this. Ils n'arrivent pas à nous toucher, on n'arrive pas trop à les toucher non plus. Encore heureux qu'on a un peu de d'infection. Ah, là, c'est pas bon. Mal. Nickel. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ouh, il a dit la phrase. Attends. Ok. On va pas toucher pour le moment. Touchera quand on reviendra. Ah bah après il nous touche pas hein. Comme ça hein, c'est pas mal hein. Tranquille. On
pour les petits runs comme ça. Même un run, un semi-run, hein, moyen. Hein. Je suis sûr que ça passe aussi. Oh la vache. Putain. Ah ouais, non, là, la fortune, ça y va, quoi. Qu'est-ce que j'aime, ce jeu, honnêtement. Il est super tranquille, super chill, en fait. Il y a des jeux comme ça, que moi, des jeux stratégiques comme ça, qui sont super chill. Je crois que le meilleur pour le moment, ça serait Warthedge. J'en ai déjà parlé. J'adore les XCOM et tout ça, mais honnêtement, si vous êtes fan de jeux de stratégie, RPG et tout, un peu dark, comme Darkest Dungeon, XCOM et tout ça, testez Warthedge. Oh merde. L'eau est contaminée. Ah bah bravo. Tétanos, connasse. Prenez Warthedge. Vous allez voir en fait la différence entre un RPG où vous n'avez pas de chance de louper, de rater en fait votre cible. Parce que là, en fait, dans toute la le Darkest Dungeon, il tourne autour de deux trucs. C'est la précision et l'esquive, j'ai envie de dire. Alors après, oui, il y a la protection en troisième, je dirais. Merde, celle qui... Oh. Je dirais, il y a la protection qui peut être intéressante. Mais il faut vraiment les bonnes classes et tout ça. Mais l'esquive, tout le monde peut en avoir et tout ça. Et ça rend la chose tellement plus simple. Vous évitez les dégâts, déjà de 1. Vous évitez les dégâts de stress. Vous évitez tellement, tellement de choses. Oh mon dieu, tout ça. In Radiance, may we find victory. Je sais plus ce qu'il me faut. On va prendre les portraits. Donc, ouais, c'est très, très... C'est très géré sur ça, en fait. Et Warthedge, c'est pas du tout, en fait. Vous pouvez pas louper votre cible. Donc, du coup, c'est géré sur votre stratégie pure. Si vous avez... Si vous avez à un moment, ça se passe très mal dans le combat, c'est que vous avez fait de la merde. Oh, c'est quoi, ça? Phantom et méché. On connaît pas ça. Ah, c'est marrant, on dirait Jack Sparrow. Et pour moi, ce genre de jeu, je trouve vraiment chill, quoi. Ah, ça doit être un buffer. Ok, esquive 32, vitesse 8, ça marche. On va d'abord tuer lui, parce qu'il va être... Ah non, il faut tuer ça. Oh merde, j'avais oublié. Yeah, let's go! Ah! Ah non, tu le soignes. Putain, 17, ça fait mal ça. Mais ouais, je trouve ça très, très, très tranquille en fait à jouer, j'adore. Stratégie comme ça. Y'a pas trop à stress, c'est pas un Dark Souls ou un truc comme ça. C'est pour ça que je kiffe ce genre de jeu. J'y joue pendant des heures et des heures, hein, sans problème. Très bien. Donc ouais. Bah, tout ça pour dire j'aime bien Darkest Dungeon. Oh. Oh. Vous voyez là c'est juste un coup de chance quoi. C'est con. Donc en gros on utilise le... Moi dans les jeux comme ça où c'est très aléatoire. Ce que je fais, c'est que j'ai tendance à... Merde, je peux pas regarder les stats. À 110. Infection, 100... Ok, ça marche. J'ai tendance à...
J'en ai déjà parlé. En fait, on essaye d'éviter de jouer avec le RNG le plus possible. En gros. Donc, pour moi, dans Darkest Dungeon, c'est les dots. Je vais baisser le son parce que ça me donne envie de gueuler, quoi. Les dots, en fait. Tout ce qui est infection, saignement et tout ça. Ça limite, en fait, le côté RNG où il faut... attends. Tu fais de la poussée et là, tu fais mélangeur. Et ça évite, du coup, à jouer avec le RNG de rater la cible ou pas. Ouais. C'est chiant de rater les cibles. Donc les dots, flagellant et avec docteur, vous le mettez partout. Puis en plus, ça marche sur tous les trucs. Ça marche partout. Enfin, surtout l'infection. Surtout l'infection, elle marche vraiment partout. Le saignement, il marche sur quasiment tous les boss. Bon, il nous fait chier, lui, avec son truc. Faut le tuer. C'est un impie. Okay. Intéressant. Et lui, on va lui enlever les maladies parce qu'il rate trop, en fait. Il rate vraiment trop les coups. Les stuns, en fait. C'est galère. Même elle, maintenant qu'elle a le tétanos. Qu'est-ce que c'est là? Catastrophique. Tous quoi, c'est incroyable. Encore vrai qu'on n'a pas beaucoup de combats à faire. Putain. Allez, plus qu'un coup. Et maintenant qu'il fait un critique, le mec. N'importe quoi. C'est bon, on peut soigner un peu. Ah, on n'a pas trop subi en fait quand même de stress. Ça va. Ça aurait pu être pire. Vu le 11 tours, ça aurait pu être largement pire. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Mille. Intéressant. Regardez, ils sont beaux les bijoux, ça donne envie de tous les prendre.
Oh. C'est quoi ça déjà? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que ça fait? Je crois que si on l'ouvre, ça fait un truc positif, c'est ça? Ah oui, une chance de faire un truc positif et une chance de faire un truc négatif. Bon, on a plus de chances de faire du positif. Toi, t'as rien d'intéressant. Pourquoi pas te le faire ouvrir à toi? Yes. T'as eu haine des impies. Pas vraiment intéressant. The light, the promise of safety. Bah c'est con, je pensais qu'ils allaient pouvoir rejouer en fait facilement, mais en fait bah ils stressent un peu avec l'autre con sur son tonneau là. Du coup, ça fait un peu la merde. On va attirer lui. Comme ça, on le marque. Là, ça va, on a combien en argent? On a une dizaine. Un 10K. C'est pas beaucoup en fait. Avec les petits runs, c'est pas là. Après, les petits runs maintenant ils sont devenus faciles si on joue esquive, honnêtement. Donc, la plupart du temps, on peut y aller. Même plusieurs fois et ça passe quoi. Bah bon là il y a un peu de stress mais en théorie ça va quoi. Ah mon dieu le mec, sans déconner. A momentary abatement. Ah, j'aurais dû jouer le deux, taper le deuxième. Merde. Oh là, on va taper cela parce que... En fait, à la limite, faudrait mettre Vesta 2 à la place de lui. On met un tireur, mousquetaire, arbalétrier, truc comme ça. Comme ça on est tranquille. Comme ça on peut tuer des trucs derrière. Ou alors un chien. C'est vrai qu'au final le chien est pas mal, je commence à apprécier. Ouh, 9 de dégâts, putain. Ah oui, là il était enchaîné le mec. Et j'avoue. Pam, 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 pam. Plus j'aime bien le jeu parce qu'on peut le jouer quasiment que à la souris. Honnêtement. On a pas... Après pour me déplacer j'utilise Q et D. Mais en fait on n'a pas besoin. Donc c'est plutôt tranquille et je vais être honnête, Wartels, pareil, je crois qu'on peut tout faire à la souris, même les combats et tout ça, c'est vraiment, ils ont vraiment bien fait pour le mapping et tout ça, des touches, et, enfin pas le mapping des touches mais le HUD pour se déplacer et tout, pour bouger, donc on peut vraiment jouer tranquille quoi, c'est genre tout à la souris, tranquille, c'est vraiment cool, Wartels c'est pareil. Vachement bien.
Genre, si jamais vous stressez, vous pouvez déjà vous... Genre, main droite sur la souris, et main gauche, vous vous mordez les ongles, vous bouffez les ongles. À cause du stress. Ça marche bien, ça. Non, si... Je suis sûr que s'il faut, ils ont fait exprès. S'il faut, ils ont fait complètement exprès. Oh là là, on met minimum 8 tours. Hein. Je crois pas qu'on a fait plus vite. Hein. La vache. Si j'enlève la nourriture, on va devoir manger là-dedans. Là. Je suis sûr et certain, on va devoir manger. Bandage, il y a des chances qu'on trouve des trucs où il faut des bandages. Non, pas ici. Non, pas ici. Non, pas ici. Ça va. Le sang. On a du journal, des journaux, hein, putain. Ah vas-y, on va. Ah ! Deux trucs qui font boum. Ça peut être embêtant, ça. La question c'est que si leur explosion, est-ce que c'est du 100%? Parce que je sais qu'ils explosent. Là on a poigne glougloutante, mais il n'y a pas que ça. Je sais qu'ils peuvent exploser. Est-ce que on peut esquiver ça ou pas? Enfin, après on peut esquiver même les trucs de la sirène, genre vous savez là, quand elle nous attrapait là. Donc, j'imagine que même ça on peut l'esquiver. The match is struck. A blazing star is born. Wow. Ok. Dark, va falloir que tu fasses quelque chose parce que là, des coups à 10, ça va pas nous aider. Hein. Surtout toi, tu vas te prendre une grosse baffe explosive, tu vas voir. Oh, la vengeance. Ouais, esquive, ça va. C'est vachement bien qu'on voit les compétences une fois qu'ils les ont faites. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, on soigne ou on fait de la prévention? Moi, je dis prévention. Ah, on est dans la merde. Prévention? Non, ah non, il est dans la merde. Voilà. A hand's breadth from becoming unwound. Bien joué. Je vais enlever l'esquive en moins au cas où. Voilà, très bien. Patched up. If only to bleed again. Hors de mon chemin. Ah, maintenant tu fais des crits. Bon, lui, au final, lui, si on le joue pas en DPS, c'est-à-dire, genre, on n'augmente pas son attaque et tout ça, il est inutile. Hein. Il est vraiment, vraiment inutile. C'est pas comme d'autres...
d'autres qui peuvent genre esquiver tout en tapant et tout ça en faisant quand même des bons trucs. Lui il est complètement inutile. Gently. This is how a life is taken. Oh putain, c'est juste une torche. Ouais, mais une torche qui peut avoir des trucs. Yeah, let's go. Ah bah c'était... Ouais, c'était pas fameux. Ça en mettait trop de temps à tuer. Ça manquait de dot, comme j'ai dit. Si on joue esquive, faut jouer dot. Oiseau de nuit. Ouais, si on jouait esquive, absolument. Absolument jouer dot. Alors. Sort de la maison close avec air heureux après une soirée mémorable. Oh putain, vitesse 6. Waouh. Elle aime bien s'envoyer en l'air, l'émeralde d'Hérald. Hein. Très bien. Ah! Et ben voilà! Là, ça devient fun. Après, le problème, c'est qu'ils ont souvent des trucs nuls, horribles, quoi. Mais voilà, là, on commence à avoir des machins. Alors. Ça nous ferait directement des persos 3. Parce que on est d'accord que le 1 c'est fini. Ah non, si. Si. On a besoin de 1 ou 2 pour la cour. Avec les vampires là. Mais bon, encore une fois, ça viendra après. Donc autant finir l'histoire principale. Puis après, on fera la cour. Et puis on fera des niveaux 1 et tout. Les niveaux 1, de toute façon, honnêtement, tu prends n'importe qui. Tu mets des super babioles. Tu casses tout. Quoi. C'est pas vraiment. Par contre, on pourrait prendre les deux là, à la limite. She searches where others will not go, and sees what others will not see. Ok, on a 59k. Alors, fais voir. Ah, c'est qui ça? Équipage englouti en vétéran. Vétéran. Quoi, des malus. Ah, des malus pour tout le monde, ça c'est bien. Tout le monde peut l'avoir. La Toussaint, ça fait quoi? Je m'en rappelle. C'est l'église gratuite. Tout ça. C'est l'église gratuite. Ah, c'est quoi ça? Antiquaire. Ah oui, c'est pour la transformer en soin. Voilà, si on met pas ça par exemple sur le chasseur de primes, il fait pas grand chose. Compétence de soin. Ça vaut le coup de la prendre ça? Putain, mais c'est long. Oh non, mais je veux pas faire du long. Enfin, après, c'est du long vétéran. Ah, mais non, on peut pas faire du vétéran parce qu'on veut garder les personnages. Alors, fais voir un peu. Stress. T'aimes faire quoi, toi? Pas du tout. Ah, attends, t'as une maladie de merde. Vanguard aussi, on va virer sa maladie. Qu'est-ce qu'on fait? On te fait déstresser ou on te fait enlever la maladie d'abord? On va te faire enlever la maladie. De
traitement des maladies moins chères. Attends, qu'est-ce qu'on a à faire? La diligence, ça c'est fait. Il y a ça. Il faudrait peut-être se concentrer sur ça. Comme ça, ça ferait de l'argent en moins. Mais bon, après, ça aussi, ça c'est pas perdu. Enfin, on peut faire tout. Tout et rien. Comme ça. C'est pareil. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Tétanos. Oui, parce que ça commence à être cher en fait. Alors, tétanos, que c'est chiant. Toi aussi. Alors, toi, on va t'enlever. Ouais, ça, ouais. Précision 10, là, c'est horrible. Ah, je suis d'accord que les PV au max et tout, mais comme j'ai dit. Ah, et louper des critiques comme ça, enfin non, des stuns comme ça, pff, ah non, 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 plus jamais quoi. Plus jamais. Côté. Ça va, toi tu déstresseras normalement. 55k. Alors, est-ce qu'on a assez pour un run vétéran? Pour l'équipage englouti. Alors l'englouti, c'était quoi déjà? C'était... Alors on a les pirates d'un côté. Et après on a un autre squelette en devant. Et il fait quoi? Et il attrape la première personne. Ok, ça marche. Il attrape la première personne. Une ville est pas mal. Et c'est quoi par contre? Je me rappelle plus. C'est des monstres, des créatures. Des horreurs, je crois. Oui, parce qu'il n'y a pas mort vivant en fait dans le jeu. Il y a les squelettes, tout ça, c'est des impies. Et je crois les fantômes, c'est des... Ah non, c'est peut-être des impies aussi. Non, non, c'est pas des créatures. Non, tout ce qui est poisson, créature bizarre, c'est horreur. Je crois. Et tout ce qui est squelette, mort-vivant, nécromancien, machin, tout ça. Enfin, peut-être même pas le nécromancien. Si, ça doit être un impie, le nécromancien. Quoi. Je crois que c'est impie. Donc... C'est un impie, donc on pourrait prendre un DPS. Alors 4, on est un peu limité. On a elle, mais elle va pas vraiment nous aider. On a le Jester, qui peut être intéressant. Et après, il nous faut un autre DPSA. Du coup, tu passerais 4. Toi, les deux, là, ils vont potentiellement passer 5. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, précision et critique contre les impies. Les horreurs, au cas où, si c'est des horreurs. Ah, je crois qu'on a un truc. Je crois qu'on a un truc comme ça, là. Ça peut être pas mal. En dégâts. Par contre, on va devoir faire des augmentations, je crois. Alors si par exemple Gaël se fait attraper, qu'est-ce qui se passe? On a le guerrier avec la lance. On peut faire des dégâts en théorie, normalement.
Après, on n'a pas de dot. On peut pas les faire saigner, c'est des squelettes. Ah, on a de l'infection par contre. Ah, oui, 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 on a de l'infection. Ok, ça marche. Alors, fais voir toi. Toi, est-ce qu'on peut te mettre... Même toi, ça te fait avancer. Donc toi, tu vas faire support, hein, tout simplement. Support, utilisation par combat 2. Ça, ça va pas vraiment nous aider. Il n'y a pas de choses pour reculer. Ah si, reculer. Mais... Ou alors... Ah, attendez. Il y a peut-être un truc là. Avancer. Là, il peut avancer aussi, lui. Par contre, pour faire les grosses attaques d'infection, il faut quoi? Il faut être en premier. Ah, il faut être en premier. Merde. Là, c'est 3. Là, c'est 1. Infection, 3 par time. Ça, c'est au niveau 2. Ça aussi sur le niveau 2. Donc c'est pareil, les dégâts contre les persos marqués. Pas mal. Une attaque de 10. Putain, c'est compliqué. Hein. Bon, on a le perso armure, ok. On a ça, ça permet d'avancer, de tracter la cible, rayon tracteur. Après, ça c'est des gros dégâts en première, premier rang. Ça, c'est l'AOE infection. Okay. Ça, c'est pour la furtivité. Ça, à la limite, on n'en parle pas. Le buff. Là, on a des dégâts contre les ennemis marqués. On peut les faire marquer. Je dirais... Comme ça, comme ça. On peut faire ces 4-là. Toi, tu continues à buffer, machin. Tu peux faire ça du coup, vu que t'es en deux, en troisième. Ah mais ça c'est pour l'avant. Putain, c'est compliqué. Ah, ces dégâts de marque. À la limite, attends, on peut te faire comme ça. Parce que toi, t'as pas besoin d'être en premier. On va te jouer tank. Ouais, tank comme ça. On va te même mettre ça, comme ça, voilà. Et tu vas faire juste le gros bourrin de service. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est infection AOE. Donc ça recule d'une fois. Ça, on l'enlève. Ça, on le met. Et ça ferait des dégâts parce que la truc, elle est marquée. Donc des dégâts en plus. Et en plus, ça fait de l'infection. Et après, vu qu'on a joué ça, ou enfin après on peut spammer ça en fait, je crois. On peut spammer ça. Et après on peut faire transpercer pour re-avancer. Et après bien sûr on peut mettre ça aussi pour avancer et puis absorber. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, je crois qu'on... Pardon, je crois qu'on tient un truc là. Je dirais. Faut que je regarde un truc si j'ai le temps de le faire. Ouais, on devrait, ça devrait pas être très long. Allez, on y va, on va faire ça. Par contre, comme j'ai dit, il faut qu'on va devoir payer un peu. On va devoir payer un peu quand même. Je sais, je sais, je sais, c'est chiant, mais bon. Hop.
après, ça c'est quoi? C'est 4. Là, ça augmente juste les dégâts. Après, il y a ça. Ça, ça augmente juste les... Rien du tout. Non, si, moins de critiques. Enfin, plus de critiques, 1% de critiques. À la limite, on s'en tape. Ça, c'est de la vitesse en plus. Je vais quand même un peu économiser, quand même. Là, on gagne des stats. Très bien. Donc là, on a la marque. Ça, c'est pas vraiment grave. C'est pour faire des dégâts. Ok. Ah, on a passé 20-30k là-dedans quand même, hein. Putain. Ça fait chier. De toute façon, Gaël, il faudra l'augmenter. C'est pas nouveau. Ouais, ça va un peu chier quand même. Équipage englouti. Alors, vas-y. Ça non, ça... Eh, ça, dégâts 20%, c'est pas mal. Alors, on avait dit... Gaël, toi, tu peux faire ça. Alors, on a ça contre les impies. Alors, qui va le prendre, du coup? Est-ce qu'on essaye de mettre tout sur Gaël? Mais bon, s'il se fait attraper, on est un peu dans la merde. Ou alors, on essaye de diviser un peu les dégâts. Moi, je dirais qu'on essaye de diviser un peu. Alors... Giant Dad, il a plus de défense. C'est mieux quand même. Plus t'as déjà les impies, la précision critique. Du coup, toi, tu vas nous prendre... Peut-être ça, c'est pas mal. Ou alors... Ça. Toi, ça. Stress 25%, ça me fait un peu chier. Chester, tu peux. Précision, vitesse en rang 4. Ouais, non. Précision, vitesse, stress, non. Soit ça, évidemment. J'ai failli oublier. Bah ça y est, c'est bon, on est bon. Dégâts et crit. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Genre contre les impies. On a quoi? Bête, humain, torche. Fanatique, je sais toujours pas ce que c'est. Je crois qu'on en a pas rencontré en fait. Peut-être un truc de DLC. Critique, dégâts. Dégâts 20. Je sais pas quel est le mieux, là. J'imagine que faire des crits, c'est quand même plus intéressant. Ouais. Bon, c'est bon, on a notre équipe. Donc, 38 d'esquive pour Marcy. 48 pour une ville. 38 pour Thomas. Gaël. Gaël, la protection. On devrait pas l'appeler Gaël plutôt. Non. Que l'autre on l'a appelé Thomas. Ou alors on. Ouais. Chevalier Gaël, c'est la profession avec son nom. Quoi. Jester Thomas, pareil, c'est la profession avec son nom. Je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est bien. Le seul problème qui m'embête, c'est ouais, le coup d'avoir d'avoir payé autant, d'avoir dépensé autant. 4, 7, 4.
Attends, nous on va chez les poissons encore. Il va falloir des pelles. 4 pelles. 2 clés. Ah, très bien. Non, ça on n'a pas besoin parce que. Il y a l'autre. I employed a crew of particularly unsavory mariners, who for a time sailed the four corners at my behest, retrieving many valuable artifacts, relics, and rare texts. Predictably, they increased their tariffs to counter my intense stipulations of secrecy. Such resources had long been exhausted, of course, and so I prepared an alternative payment. Je suis sûr qu'il les a tués en fait. Il a dû les noyer. Devils, chained and drowning for eternity. Il a dû les noyer, ce connard. Ah, putain, j'aime pas quand c'est ça. En théorie, ça devrait être là parce que c'est le plus loin. Oh, yes. Yes. L'anémie est un. Problème. Ah, stress lors d'une attaque rate, ça c'est ça, ça, ça problème aussi. Ouais, toi. J'aurais dû prendre plus d'herbe. Bien joué, bien joué. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Je me fous dans la merde, là. Je l'enlève. Je vins de 20 d'esquive. C'est chaud. Alors, comment on joue avec notre équipe un peu bizarre là? Alors. Je vais voir. Viens, on fait comme si c'était le boss. On marque. Là, recule. Tank. Au. Au. Anxiété. Ah, c'est le stress en plus, je crois. Ouais. On est à 37 et 0 d'esquive. Autre compétence. Pourquoi on est à 0 d'esquive? Ah, oh, parce qu'il nous a tout craché dessus. Ok, ça marche. Donc là, je fais ça. Encore. Laissez machin jouer, là. On va voir un peu ce que ça donne. Aïe 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 aïe. Il était marqué. T'as de la défense, non? Tiens. Prenez ça là, je vais le faire chier. Ça c'est un impie aussi. J'avais pas... Ah oui, c'est un esclave du coup, c'est un animal. Alors ça. Oh! Oups. Je peux pas le faire au rang 1. Oups. Ah, d'accord. Du coup, on va faire ça. Il faut le tuer quand même, parce que sinon on va être dans la merde. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ah, c'est bête parce qu'en plus c'était un impie et tout, on aurait pu voir un peu les dégâts quoi. On soignera plus tard.
have no quarter. Bah on peut soigner maintenant. Wow. Ah oui putain c'est vrai que lui peut défoncer. Faut que je fasse ça, faut que je m'en rappelle. Hein. Chaque fois j'oublie. Hein. Le fait qu'il puisse, qu'il ignore la garde avec son attaque de genre de base quoi. C'est magnifique. C'est juste magnifique quoi. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Masterfully executed. A powerful blow. Bien, tout le monde perd de la vie, c'est cool. On aurait pu prendre la... Oui, pour le moment, on pourrait prendre le double, la double attaque, là. Ça se passerait mieux. T'as parlé, mais ça a strictement rien fait. On dirait une vidéo YouTube. Tu parles et les gens, ils t'écoutent pas. Lol. Ah bah oui, ça va, ça vaut le coup, tiens. Le mec qui a aucune attaque. On va soigner un peu. Si ça 12, ça pas... Oui, mais c'est pas marqué. Confidence surges as the enemy crumbles. Oh, joli. On va tuer. Their formation is broken. Maintain the offensive. On va voir ça. Wow. Ça tue. PV max 20 pour vitesse moins 1, honnêtement, yay. Let's go. Je dis pas non. J'espère qu'on aura un repérage là. Ah, ça, ça c'est... Ah, ouais. Ok, ça, ça peut être un problème, par contre. Oh putain. Qu'autant, Gaël. Oh, oh. Oh merde. Ça va. Ah. Ouais mais la protection. À 13, c'est pas beaucoup. Très bien. C'est pas mal, hein, parce que là, c'est vrai que c'est des horreurs, tous. Donc, j'avoue que
Le cultiste, il est bon, hein, avec cette attaque. Oh oh. Ah, ça va. Ouh, ah oui, il a un saignement de ouf, lui, ouh, putain. Vache. Ah, en plus il l'aime bien. Alors je sais pas si c'est parce qu'il peut attaquer que la première ligne, mais putain. C'est peut-être parce que il peut attaquer que la première ligne. Their cursed champion falls. Ghoulish horrors brought low and driven into the mud. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Oh là là. A time to perform beyond one's limit. Très bien. On peut aller au boss s'il vous plaît, sans problème. Non, on en met du temps pour aller au boss. Après honnêtement, c'est une des pires setups, hein, des pires setups. En plus en. Là, la fourche là, c'est une catastrophe. Les saignements, il reste pour. Ah oui, mais non, il a critique, pardon. Il reste pour longtemps, mais c'est parce qu'il a critique. Normalement, c'est 3. Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? Je crois qu'on a plus besoin des blasons. Comment ça s'appelle? Yes. Ah non, il va pas aller. C'est loin.
Ok, on pourra directement descendre à la limite. Pour augmenter le survivaliste là. Pour payer moins cher les habilités. Alors. Bam! Très bien. On va camper là. Inspiration and improvement. Ok, là tu me fais chier. Impressive. Joli. Non, il peut taper en deuxième aussi. D'accord. Donc, il aime bien en fait bouffer les gens comme ça. Les gens à la lance et bouclier, il aime bien les bouffer. Apparemment. Oh, nickel. Ça, on n'a plus trop à se soucier du reste. Là, maintenant faut soigner un peu. Toi on va te protéger. Oh le saignement de ouf quoi. Merde. Aïe 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 aïe. The blood quickens. Au moins elle se prendra pas des baffes. Elle, il, je sais pas. A decisive pummeling. Va le faire saigner en fait le machin, enfin quoi que. Là j'ai un risque d'augmenter encore le saignement, c'est peut-être pas une bonne chose de faire ça. Allez on va vite y arriver. Bon du coup on peut peut-être se reposer là. Tiens, vas-y, renseignement. Putain de merde. Aïe aïe aïe. A trifling victory. But a victory nonetheless. C'est quoi ça déjà? Du stress et des buffs. Ah, on va devoir camper ici. Circle in the dark. The battle may yet be won. Alors. Fâcheuse embuscade nocturne. Ouais, fâcheuse embuscade nocturne. Ça va. Après on a toi, précision écrite. Et il nous reste quoi 6. Alors il y a ça que j'aime bien. Mais on a d'autres... perçage d'armure aussi, maintenant ça devient intéressant quand même. Hein. Je veux pas dire, mais c'est, si, hein, ça devient intéressant. On peut pas soigner le... pas soigner le saignement par contre.
un compagnon précision et critique. ça peut être pas mal sur lui en fait. Donc c'est 3. Et là on a 3 aussi. Donc, protection et PV max. Et après on pourrait mettre précision et critique ou alors dégâts 20. Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être bien. Critique c'est bien. Hein. Critique c'est bien. Parce qu'on a déjà des dégâts et tout. Déjà ça. Toi t'as pas de ouais, on va faire ça. Précision et critique. Abandonne pas tes rêves. Ah, oh, j'espère qu'on va pas avoir le rêve. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Trauma and torment return for an encore performance. J'ai envie de mettre de l'eau bénite, mais bon, je voulais le garder pour le boss. On va faire ça sur lui direct, comme ça il a stress moins. Donc il prendra un peu moins. Voilà, 17. Of war can be healed, but never hidden. Aïe. Vas-y, go. Exposed to a killing blow. On peut les faire saigner, je peux regarder. 40%, ouais. Infection, 95. Oh mon dieu, vas-y, c'est pas le moment de faire du zéro, hein. C'est vraiment pas le moment. Eh merde! Ok, let's go. Si jamais ils stressent, est-ce qu'ils font quelque chose de spécial? Je suis en train de me demander, parce que honnêtement le stress il est méga puissant.
Oh la vache. Qu'est-ce qu'on fait, on le tue? Faire un gros soin là, faire un gros soin. Oh. Vigor is restored. Oh. Mortality clarified in a single strike. Pendant 6 tours. Ouais, ouais, c'est chaud. Ah, j'aurais dû peut-être attendre le avant qu'on, enfin, attendre de le tuer en fait. Bien. Ah yes. Arrête de toucher tout le monde et putain. Ah, merci. Ok, c'est bon. Alors, ils disent qu'une. Ils disent qu'une telle beauté a sa place dans le palier. Si on m'attache les mains et me jette dans une roulotte, à côté d'idoles dorées et d'icônes parées de bijoux. Avec elle, je complète une cargaison inestimable de rareté éblouissante destinée au trésor du vizir. Je connais la réputation de ce tyran et j'ai peur. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Écaille d'Égide. Une mystérieuse écaille venue de déserts lointains. Une excellente protection. Qu'est-ce que c'est ça? Restons en déplacement. C'est inconsommable. Wow. Les écailles d'Égide sont lâchées par les serpents provenant de la terre natale de la brise bouclier. Ça, on devrait pas l'appeler la brise bouclière. Non. Ces écailles peuvent être consommées par les héros afin de leur procurer une absorption de dégâts unique. La prochaine attaque qui touchera le héros ne fera aucun dégât. Oh, ça tue. Donc c'est des consommables qui protègent. Ah, ça tue. Ok. Donc ça je le veux. Parce que c'est un truc qu'on a eu du rêve. Et du coup je suis désolé mais on va prendre la page. La page aussi. Et un peu de blason aussi. Bon, on n'a plus que 3. Alors, faut voir de la nourriture. Putain, que dalle. Que dalle. En nourriture. Ah! Anémie. Repérage, repérage, repérage. Oh, c'est la merde. Donc du coup on sait pas si c'est le boss là. Ça peut être une salle complètement de merde avec des monstres. Ça va nous coûter un combat. Et du coup on aura... Honnêtement je crois qu'on va arriver au boss. Et on n'aura pas de buff. Aïe, 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 aïe. Another mariner, another misfortune. Ok, ça peut être le boss.
Ok, on va garder 4 si jamais c'est pas le boss. Je vais pas utiliser les eaux bénites. As the light gains purchase, oh, c'est le boss, ok. Oh la vache, putain, j'ai eu peur. Even in death, the captain shouts his orders, and the crew obeys. De lui faire les dégâts. Je crois qu'on avait vu que si on lui faisait des dégâts avant qu'il nous attrape, ça sert à rien. Ah, c'est un impie, j'avais raison. On va faire ça. Alors. Honnêtement, faudrait soigner. Ah, mais là, tu vas passer en premier. Ok, go. Mutinerie. Forcé. Loupé. À la cape. Ah oui, putain, par contre, le stress, ça va être relou. Oh, attends. Parce que là, on est toujours à 4, en fait. Je pensais que ça le sortait du groupe. Alors, attends. On va faire ça, parce que sinon, lui, il peut pas taper. Ah, mais c'est vrai qu'on peut taper. Oh, lol. Je peux me reculer et me désengager? Ou pas? Non. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. T'inquiète, regarde-moi ça. T'as vu ça? 99. T'as pris des HP toi ou quoi? Je suis sûr qu'on t'avait touché. Bon, on va devoir te tuer parce que ça commence à me gazer. J'ai envie d'utiliser ces écailles. Ouh, c'est stylé. Autant en profiter. Let's go! Let's go, gueule, let's go, gueule. Yes, yeah, tu m'as loupé, c'est con. Tout le monde sur le point. On va faire ça, comme ça va buffer au moins tout le monde pendant au moins 3 tours. Même si on le double pas. Alors, j'ai envie de faire ça, mais je crois pas que ce soit très utile. Je pense qu'on va juste faire des dégâts. 18 à 33. Ouh, yes. Yes, yes, yes. On a de la protection en plus. Oh putain, le saignement, il est passé. Ah, on a que 80%. Oui, parce qu'on n'a pas eu ça. Oui, on n'a pas le 25. Ouais. Ok, ça marche. Alors. J'aimerais bien marquer la cible. Mais bon. Elle est pas en position, en fait, pour faire l'attaque.
Du coup... Ah, bien joué. Très bien. Voilà, jouer sécurité pour le stress. Et protection moins. Non, bah on va soigner parce que des fois elle va pas soigner, du coup on va être en retard après, on va être en panique. Donc autant pas mettre soin pour le moment. Toi tu vas faire très mal. Pas vraiment. A dizzying blow to body and brain. Très bien. Ok, nickel. On ne l'a pas poussé, rien, parce qu'on est buffé en résistance. Alors, faudrait que tu fasses un bon soin sur Gaël. Ouais, bof. Pas le meilleur. Mais on attaque, continue. Ah, on commence à être un peu bas en vie, hein. Ça va, on peut le one shot, non, en théorie. Ah d'accord, il régène à cause grâce à lui en fait. Tiens. Saloperie. T'as pas de protection. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait des dégâts? Non. Ça sert à rien. Putain, le. Aïe, un bon critique là. C'est pas bonus protection. Allez, on le tue maintenant. Let's go! Yes! Bien joué, Gaël! Bien joué, l'équipe! Très bien joué! Rage. Eh, la rage, ça peut être pas mal hein, pour Gaël. Hein. Parce que on augmente tellement sa précision que. Enfin, après, il est avec un bouffon. Je sais pas, c'est à double tranchant. Mais bon. Enfin, après, les lépreux, c'est connu pour être les. Enfin, la précision la plus basse aussi. Donc, c'est dangereux. Ah, ça c'est bien ça. Peur de Dieu. Ben, moi je dis bravo. Alors, Darkwa se déplace paisamment après une longue nuit de beuverie. Oh là là. Il souffre plus d'égoïsme. Traitement de la maladie. Ok, les deux ont sauté. Très bien. Tétan aussi, ça te saute. Très bien. Oh, yes.
Yes. On a du 2, ça va. On pourra faire une équipe de 2, je pense. On a du soin en 2. Non, on n'a pas de soin en 2. Si. Si, si, si. On pourra envoyer une équipe de 2, il n'y a pas de problème. On va prendre une équipe de 3. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. Toi. 72, ça marche. Bah voilà, on va s'arrêter là. Soin de stress reçu encore. Quoi ça? Nourriture consommée moins 100. Dégâts subis par la faim moins 100. Esquive 5. Stress dû à la faim moins 100. Stress lors de repas de campement moins 100. Saut de jeûne. C'est marrant. En fait, vous mettez ça sur tout le monde. Du coup, vous prenez pas de nourriture de ça. Mais du coup, vous êtes obligé de le garder tout le temps, je crois. Ou alors, vous le mettez que quand vous campez. Pour éviter d'utiliser de la nourriture. Mais ça sert à quoi? Ça serait débile. Ça en consomme moins. Mais après, si on marche, du coup, on consomme pas de nourriture. Mais bon, faudrait que tout le monde équipe. Ouais, bon, c'est débile. Je sais pas là, ce qu'on peut faire avec. Ah, arbalétrière avec le soin. Faut qu'on regarde ce qu'on a en maladie là à virer. Oui, on avait vu qu'on avait la rage sur Gaël. Ouais, mais l'anxiété aussi. Ouais, non, d'accord, en fait. Gaël, tu vas. L'anxiété surtout qui va sauter. Est-ce qu'on le fait maintenant ou pas? On va attendre. On va attendre. Donc on a 2, 4 et un 5. Donc en théorie, on n'a plus besoin des 4. Sauf pour bien sûr la cour, hein, on fera du 1, du novice, après du vétéran. Mais bon, les vétérans, à la limite, on peut gérer ça. Maintenant, en fait, c'est de voir de qui on a besoin pour le Darkest Dungeon. Donc, c'est court et c'est un... Bon, bah, le cœur des ténèbres, quoi, c'est un boss, quoi. Je vais voir un peu. Donc, Gaël... Furnival. Ouais, Furnival. Ah, on peut refaire la même chose comme j'ai dit. Parce qu'on n'a pas de docteur. Pas de docteur. Putain, on est limité quand même. Hein. Bonne vie. C'est pas fameux. Faudrait un flagellant comme j'avais dit. J'avais fait une équipe à un moment, je sais plus qui j'avais mis. Alors Jester. Pour augmenter les critiques de lui, vu qu'on va le buffer avec ça, enfin voilà quoi. Et après, il faut mettre quelqu'un d'autre, je sais pas qui on pourrait mettre. Potentiellement un perce bouclier, ça nous ferait de l'infection. Je sais pas, genre un truc comme ça. Parce que les bandits, honnêtement, les bandits pour boss, non, ça m'intéresse pas. Les furies pour boss, ça m'intéresse pas non plus. J'aime pas.
Le chasseur de primes. Chasseur de primes. Le problème avec le chasseur de primes, je trouve que il faut vraiment le stuffer genre dégâts, sinon il fait de la merde. Et après, il faudrait quelqu'un quand même qui marque tout le temps aussi, ça pourrait aider. Ou alors on le... Genre on le fait spammer saignement, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est vraiment utile. Je sais pas. Je trouve... je sais pas. Chasseur de prime, c'est bien sans être super. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, si les gens aiment, tant mieux. Mais... Après, non. Ouais, moi, je veux faire Gaël en super tank DPS, là. Ça marche très bien. Ah, on pourra pas... On peut pas manger. Ah, on peut pas manger... Oh, c'est pas grave, mais bon. C'est embêtant. Et après, lui, j'aime bien parce qu'il a, il peut se défendre, en fait. Il peut se défendre. C'est cool. Puis si jamais on est bougé et tout, lui, il peut danser et tout. Donc, en gros, il peut gérer le groupe entier. Ça aussi, c'est vrai que c'est bien de pouvoir reculer et avancer. Ça permet de se replacer, de gérer le groupe, en fait. Genre, par exemple, s'il est en arrière et que tout le monde est en avant, genre, bah, il peut avancer, en fait. Et vice-versa. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Et après, lui, ça nous permettrait de faire plus de dégâts, tout simplement. Genre, pas louper, vitesse plus, critique plus, surtout critique plus, en fait. Ah, et il peut faire du saignement, si on le met en deux. Il peut aussi faire du saignement un peu, de temps en temps. Genre, on fait une musique ou deux musiques saignement, une musique, deux musiques saignement. Là, on peut faire de l'infection aussi. Il faut juste se placer en deux. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal comme équipe. Donc, du coup, on va devoir augmenter des gens. Donc, il y a Gaël à augmenter. Il y a toi. Il y a Chester. Ouais, il y a des trucs à augmenter encore. Ça marche. La question, c'est est-ce que... Ah. Est-ce que... Ah, attends, si je t'enlève toi... Parce que toi, t'as la flamme, toi. J'ai envie de tester un truc, ça va peut-être être chaud. Y a pas un truc plus petit? Ah, 90% des pièces. Alors, ce qu'on va faire la prochaine fois, on va tester un truc, je pense, hein, sauf si j'ai une autre idée qui me vient. Mais je voudrais bien tester ça. Donc on prendrait un 4, un... Putain, un 3, c'est chaud quand même. Et Gaël. Ah, le 3, ça va être chaud. Ça va être chaud pour sa gueule, hein, quand même. Ça va être très très chaud pour sa gueule. Mais... potentiellement on peut le faire plus facilement parce que ça c'est des pièces, 90% des pièces, donc honnêtement il y a peut-être 2 combats, 3 combats à faire et c'est tout. Et on avance, on fait ça, et comme ça on peut peut-être, là on aura un boost d'expérience, donc peut-être qu'on aura le bouffon au niveau 6 direct, le brise-bouclier au niveau 6 direct, et bon Gaël il sera au niveau 6, ça c'est sûr. Ouais, on peut peut-être tester ça. Ça nous ferait gagner au moins 2 ou 3 semaines. Bon, après, on va sûrement devoir les déstresser et tout. Ça, c'est inévitable. Mais il y a peut-être un moyen de faire ça et gagner quelques semaines d'avance. Comme ça, on finit le jeu et j'en parle plus, quoi. Parce que ça me saoule, en fait, d'avoir toujours cette épée de Damoclès là au-dessus de ma tête. Avec les semaines là qui défilent. Qu'est-ce que c'est relou. Et après, on n'aura plus ça, je pense. Enfin, j'en ai intérêt. Et puis après, on peut la jouer tranquille. Il nous faut un peu d'argent par contre pour augmenter aussi. Mais ouais, là on aurait notre équipe en fait pour le... Je pense que je vais utiliser ça pour le boss après. Enfin le Darkest Dungeon. Allez, on y va. On s'arrête là. Et la prochaine fois on testera donc d'augmenter, de booster les gens en expérience. À la prochaine. Ciao ciao.